Santé. Santé. Et puis c'est une qu'on peut manger. Et puis, nicht der Einzige, der hat, ist ein bisschen müde. Weißt du, man hat mit der Kamera. Die Kamera ist nicht allein, der ist da hinten und der ist. Aber ja, das geht gut. Also, ich bin froh, wenn es bald fertig ist. Aber le feu, on le fait pas qu'avec du bois. Ouais, faut qu'on trouve des. Nach einer Nacht im Stall gut geschützt vom Regen. Emily Opri und Alain Odersee sind bereit für die nächste Herausforderung und nehmen ihren dritten Tag in Angriff. Also fast bereit. Ce matin, on a trouvé la tasse. Il y a une vache qui a marché dessus. C'est le seul truc qu'on peut un peu cuire avec. Donc il faudrait peut-être que je. Il y a une vache qui a marché sur notre tasse. Ils n'ont pas aimé qu'on les traîne hier, tu vois comment. Alors là, il faudra qu'on trouve une combine pour. Mais je vais essayer de la redresser. Tiens, on peut peut-être faire quelque chose avec ces barrières, tu crois pas? Ouais, tu ouvres là, puis moi, ça va. Je le mets comme ça, puis avec la force là, ça va aller. Attends, ouais, ouais, ça va, ça va. Attends. Yeah, bravo! C'est bien. Tiens. Attends, je vais égaliser. De l'autre côté, c'est plus mou, toi. Si tu la mets plus ouais. Entre, t'arrives pas à la mettre plus. Ah, plus profond? Ouais. Ouais, vas-y. Regarde ça. On la revend, ils vont rien y voir. On la met parmi les neufs, ils vont même pas savoir. Regarde. Puis bon, bah, plus qu'un fil de fer, puis c'est bon. Je le soulève, hein. Voilà, c'est bon. Un petit peu contre moi. Der Regionalpark vom Chasse-Quel. Ein Verein, der von 21 verschiedenen Gemeinden aus dem Kanton Bern und Neuchâtel ist gegründet wurde. Der Regionale Naturpark Chasse-Quel erstreckt sich von La Neuveville bis Franche-Montagne und von Vuy-des-Alpes bis nach Grenchen. Der Name hat den Park vom Gipfel, der 1606 Meter über den Bielersee ragt. Der Chasse-Quel ist ebenfalls für seine grosse vegetative Diversität bekannt. 2011 hat der Park das offizielle eidgenössische Label «Schweizer Park» bekommen. Ein grosser Spielplatz also, wo unsere zwei Abenteurer mittlerweile schon drei Tage von dem leben, was sie in der Natur finden. Ja, heute war ja, für mich sehr gut. Ich hatte gestern ein Loch von meiner Energie, plötzlich am Nachmittag. Aber heute war ich fit. Ja, vom Anfang an bis jetzt. Unsere zwei Freunde suchen nach einer passenden Schlafgelegenheit für die letzte Nacht unter dem Sternenhimmel. Bah, faudrait être du côté où ça protège. Le vent, il vient de là derrière, non? Le vent, il vient de là-bas, par là-bas. Ouais, là-bas. De là. Donc là. De l'autre côté, il y aura peut-être moins de vent. Allez. On passe par là-haut? Non. Tu préfères la route? Ouais. C'est un cercle, hein? Non. Il me semble d'après le plan. Tu crois que c'est un raccourci là? Passer là si tu veux. Ben, moi j'aurais dit que c'était un cercle et puis ouais, que. Y a un petit c'est peu pas la bonne fois. Ben non. Ça tourne un peu, ouais. Ben voilà. Attends, si le chasse-ral est là, nous on est là. Nous on est à la télévision là. On passe là, on coupe là. Bien vu. On verra si c'est bien vu.
Voilà les herbes pour faire du feu. C'est mouillé, hein. Ouais, mais avec le vent, ça va. Eh ben voilà, qui nous disait, regarde, 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 je l'ai. Ouais, de l'eau. Santé? Santé. Et puis c'est une qu'on peut manger. C'est pour la fluidité du sang, tu te souviens pas? T'as pas confiance, hein? Ici, on a une plante qui s'appelle l'alchimie. Et puis, on peut récupérer une belle goutte au puits, qui ressemble à une petite coupette. Oh non, elle s'échappe. Alors, j'arrive pas encore à les cueillir comme il faudrait. Mais c'est bon pour la fluidité du sang. Donc, c'est surtout recommandé aux filles. Mais bon. Tu sais, c'est quand même un jardin. C'est le jardin du Créateur, en fait. On habite dans un endroit hyper bienveillant pour nous, à la base. C'est une question d'équilibre, en fait. Mais t'as de quoi te nourrir, de quoi te soigner, tout. Tout est là, quoi. C'est fou, hein. J'ai l'impression de marcher sur la table. Je suis pas très poli, hein. Vivement. Dans cette région, c'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, il y a plusieurs choses qu'il va nous falloir pour passer une nuit plus ou moins agréable. Éviter le vent le mieux qu'on peut. Donc, bien sûr qu'on va pouvoir essayer de construire un abri, mais c'est pas... Voilà, on va pas pouvoir construire une maison à quatre murs et à toit. Donc, il faut trouver un terrain idéal. Il faut qu'on puisse faire du feu. Donc, il faudrait aussi un petit peu de... Enfin, pas mal de bois. Donc, il y a pas mal de paramètres qu'il faut, que c'est pas facile de trouver l'endroit idéal pour dormir. Waouh, c'est dingue! Mais non, j'ai trouvé, on va habiter là-dedans. Et en plus, c'est éclairé, il y a des fenêtres. Eh, mais c'est un terrier probablement, il y a une sortie, une porte. J'y crois pas, il y a une porte. Regarde. C'est magnifique. Oh, mais non, c'est fantastique. On n'a rien inventé là, les compteurs n'ont rien inventé. Là. Wir müssen gut überlegen, wir müssen einen Ort haben zum Schlafen, zum Feuer machen, auch für viel Holz. Wir brauchen wirklich viel Holz für das Feuer für die ganze Nacht. Ja? Ouais. Salut la vache! Ah, c'est pour que les vaches ne puissent pas l'ouvrir. Bah oui. Les vaches un peu plus intelligentes que les bébés. Là, ça ferme. Voilà. Ben, en tout cas, il y a un arbre mort. On serait quitte chercher 36 endroits pour du bois. Ouais, ben après, c'est si on veut faire du bob aussi. Hein. Oh, ici, il fait bon. Regarde ça, on est juste au soleil. Là. Ouais!
J'ai trouvé quelque chose là, moi. T'as trouvé quelque chose? Je suis sûr qu'il a trouvé un arbre avec un trou dedans. Mais non. J'ai entendu ce que t'as dit. Hein. J'ai trouvé un arbre, mais mort, et puis ça nous fait du bois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois, en fait. T'as vu? On a du bois mort, hein, pas mal, hein? Oui, oui. Ouais, c'est pas ça qu'on cherche. Non. T'as vu quelque chose là-bas? Moi, je descends pas dans ce trou. À propos de trou, il y en a un là. Ah ouais? Mais viens par ici. Là, je pense qu'on est pas mal. Là devant toi, tu dis? Faut faire le feu. Dans cette région. Faut que tu viennes voir ici avant de décider. Il y a quoi là? Il y a une sorte de cuve avec un rocher et puis. Et puis bon, il y a des orties, mais on peut les enlever. C'est bon, je dois pas venir voir. Comment ça va? Mais dis-moi, bah alors viens, je vais voir ce que tu proposes alors. Il y a plein de bœufs de vache ici autour. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, mademoiselle Paprenelle. Je propose un endroit dans cette forêt. Ça peut être plus là au milieu, il y a un gros trou d'arbres. Ah mais c'est quoi ces trous? Bah c'est les pieds des vaches. Mais ça veut dire que c'est marécageux. Et donc? Ah ouais, et donc moustiques. Et donc humidité. Bon, écoute, on a vu là, on peut encore faire un petit tour, puis voir si on trouve mieux. Ouais. Là, je te dis, c'est le marécage qui est... Bah, faut trouver un endroit un peu... Bah, si tu veux, toi, tu marches là. Toi, tu marches là, moi, je marche là. Écoute, on laisse les affaires ici, on équipe les trimballer. Hein, ça te va? Ouais, y'a là. Puis on fait le feu au milieu. Ouais, mais il y a aussi les autres arbres là-bas, il y en a pas mal, c'est quoi d'arbres un petit peu? Ouais, mais tu peux pas faire le feu dedans. Et surtout, t'as vu comme. T'as vu comment il a pris le sapin? On a mis une branche de sapin, ouais, il est parti. Tu vois, c'est. Je pense que c'est trop dangereux de faire un feu. Bon, il a plu hier, mais quand même, ce serait peut-être... Écoute, on a au moins une solution ici, ça c'est bien. Une solution, voilà, que je trouve moyen, mais c'est au moins une solution. Et puis je propose qu'on fait un petit repérage, et puis après, t'as coup, on peut choisir entre différentes choses. Là, on est bien au soleil. Hein. Bah, je préférerais ici que là-bas, je crois. Mais il faut voir s'il n'y a plus de vent, là. C'est fou. Là, il y a un abri. Là, au milieu, ça a l'air pas mal aussi. Là, ça a l'air top. Après, on n'a pas le mur pour protéger. Je crois que j'ai une idée. Bah, même ici, au milieu, quoi. Bah, il y a nouveau plus de vent. Il y a un triangle qui n'est pas utilisé. On le met là. Et du coup, le sol est droit. T'as trouvé un endroit? Je crois bien, ouais. Toi? Deux. Oh, cool. Mieux que celui-là? Bah, j'ai celui-là à te proposer, puis un autre. Ok. Puis toi? Bon, moi, il y a deux choses que j'ai constatées, mais je sais pas si c'est le hasard, mais il y a moins de vent de ce côté que de l'autre côté. Ouais. T'as remarqué? Ouais, ouais, il y a du soleil surtout, mais ah, il n'y en aura pas toute la journée. Non, ça c'est vrai. Et puis, en fait, tu vois, le chemin, la route, ça pente comme ça, mais au bout d'un moment, il y a un chemin comme ça. Ok. Ça fait qu'on est droit. Ouais. Il y a un endroit, il y a même un arbre mort,
à cet endroit-là. Il y aurait même pour faire le feu carrément là. Il y a du bois autour, il y a un peu... Ben, il y a ce bois mort, ouais. Oh, mais que un Ben, il y a celui-là qui est là, tu vois. Là, il y en a vraiment... Il y a beaucoup de branches. Et puis, ce qui est encore mieux, c'est que c'est des branches qui ne touchent pas le sol, et donc... Ben, on va voir. Garde, un terrier. On descend juste tout en bas, là? Non. Dans le terrier? Allô, il y a quelqu'un? Il n'y a pas de sonnette. Par contre, ici, le cadre est sympa. Plus. Ah, ça, c'est une bonne armée. Il y a des fougères sèches. Ah, ouais. Il y a du bois à volonté. Tu crois vraiment que ça va isoler les fougères? Ouais, c'est sympa, ouais. C'est sympa ici aussi. Humide, mais... On s'en fout de l'humidité, ouais. Ich habe gefunden, das Wort, oh, das ist nur so gut. Und sie hat gesagt, nein, das ist das Bessere. Und da, was habe ich gefunden, richtig schön, dass wir suchen nicht, ich habe rechts und du hast falsch. Wir haben nicht so etwas geredet. Wir haben einfach gesagt, was ist die gute Lösung. Finalement, on est venu ici. Je pense pas que c'est le meilleur endroit, je préférais le mien. Mais j'ai vu que ça rassurait Émilie d'être là parce qu'elle pense que c'est mieux. Weißt du, und dann sicher, sie schläft besser und das ist wichtig. Die ist mir am loslöcken und sagt, was? Ich sag nicht böse. Les deux faire tout la même chose. Ben non, mais il faut qu'on garde les priorités. Mais le feu, on le fait pas qu'avec du bois. Ouais, il faut qu'on trouve des... Ok. Moi, je pense qu'il faut les bradis pour faire partir le feu, les petits bradis. Il faut faire le nid pour faire autour, bien protégé. Il faut du bois. Il faudrait peut-être amener des troncs d'arbres pour se protéger après avec des branches de sapin, mais c'est ce qu'on peut faire après coup. Ouais. Faire le foyer. Ouais. Ouais, un peu tout ça. Moi, je dirais en priorité, on fait tout ce qui est autour du feu, puis après le reste, les protections et tous ces trucs chauds. Si tu veux, ouais. Tu commences par aller chercher du bois, tu fais le foyer. Ouais, ou que tu préfères faire... Je t'égale. Comment t'as fait pour dégager, hein, avant? Tu prends une broche et tu balles. Ok, ça me ressemble. Ça ressemble. Non, t'es pourvu qu'on fout pas le feu à cette forêt. Moi, j'ai trouvé un meilleur balai, quoi. En fait, moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse le feu assez vite pour voir déjà comment ça réagit. Puis si on se dit, ah non, c'est bon. Bah, tu vois ce que je... Tu ne déménages pas, même si ça risque de brûler la forêt. Sacré bonne femme, va. Cadeau. Moi, je pense sur les poses. Les attachés. Ouais, mais il en faut une couche énorme. Ça va pas protéger du vent. Ça? Ouais, il en faut 4 comme ça, je pense. Ouais, il en faut pas mal, ouais. Pour ça, si tu tout tresses, ça me paraît prendre beaucoup de... Ouais, compliqué, je sais pas. Ah, les tresser à la noix, tu dis? Ouais, ou les...
sur les pots seulement, laisse-les à l'extérieur du bois. Non, ah, ou les passer, ouais, si ça tient. Mais là. Ouais, ouais, comme ça, pas mal. Also, willkommen in die Alinsterne Hotel. ja, also, das ist noch nicht das Hotel. Also, du kannst noch gratis kommen, wenn du kommen. Also, ja, wir diskutieren immer vorher, was machen wo, was machen wir wo, wie machen wir. Und dann ja, sind wir beide. Ja, selbstständig und zum ja, etwas machen, etwas bauen. Und wir sind auch beide ein bisschen komplementär. Wir können, ja, ich mache eher das, Alain macht etwas anderes. Und am Schluss haben wir alles gemacht. Es war kalt heute. Also. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, Angst. Ich bin nicht am Grennen, aber ja, das ist richtig ein bisschen kalt. He? Und dann sieht man schon, was passiert. Ja, wenn es richtig schlimm ist, ich schlafe eben nicht. Und dann ich gehe ein bisschen rennen. Drauf eine Kuh und wenn ich ein Ross mache. Weißt? Nein, weiss nicht. Baum rauf! Oder man weiß nicht. Weil, kein Problem. Eine Nacht mit nicht schlafen, das ist nicht so schlimm, oder? Und dann, wenn du richtig kaputt bist, schlafen. Weißt du? Das ist die Strategie. He? Das ist etwas. He? Oh, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Ça va? Es geht sehr gut. Heute haben wir Zeit gehabt, um etwas zu bauen. Haben wir ja, zusammen gearbeitet. Und ja, ich kann einfach das gerne etwas machen. Nicht nur rumlaufen, auch etwas bauen für die Nacht und so. Das habe ich wirklich cool gefunden. Das ist nur die drei ersten Tage. Wenn du machst das vielleicht drei Monate oder erlebst einfach so. Du weißt, wie machen. Du findest eine Lösung. Und dann machst du genau richtig den ersten Tag und dann ist mir einfach. Ich denke, wir wissen nicht genau, wie machen. Wir haben hier entschieden, hier zu sein. Ich bin nicht sicher, ob das gut ist, aber ja, müssen wir eine Entscheidung machen. Und es macht ein bisschen kalt. Und diese Nacht. Ja, warum bin ich da? Also, das wäre schon lustig gewesen. Also, ich bin so froh, hier zu sein und das erleben. Und ich bin froh, dass morgen ist fertig. Aber bevor es heimgeht, gibt es noch eine letzte Nacht vor dem Lagerfeuer. Und es macht sogar den Anschein, als hätten sich die zwei Abenteurer ziemlich schnell an ihre neue Situation gewöhnt. Hey, on a pas de champignons aujourd'hui? Ja! Hein? Ja. Pas de champignons? Pas de champignons. Ah, ben moi, d'un côté, ça me fait plaisir. J'ai commencé à en avoir marre. On va riler. Ouais, je dis pas un bolet, mais. J'ai peut-être mis beaucoup de bois. Non, je crois que c'est bon. Ça va aller. Si tu veux des flammes rapides, je te mets du sapin. Non! C'est marrant parce que je dirais à un citadin, je te mets du sapin, il dit, ah bon? Nous, on est pros déjà. Ouais, on est des vieux de la vieille. La vie croquette, j'ai tout appris, moi. Nächste Woche zeigen wir euch die letzte Folge von unserer Serie «Ausgesetzt im Chasseral – Le pied dans le plat». Unsere Abenteurer sind schon am Ende ihrer Expedition angelangt und können schon gleich ihr Parksymbol bestaunen.